The sas, the nice wording of the sas. I'll just eat today and then I'll start the exercise tomorrow. Amen. Amen. Mais une chose que je sais. One thing I do know. Et c'est ce que beaucoup d'hommes de Dieu ne peuvent pas. That's what many parce que je descends souvent à 19h. Often I come, get off at 7 p.m. L'enfant dernier vient chez l'ancien Pascal. Pascal m'attendait chez moi. The elder Pascal was waiting for me. Je suis descendu à 19h. Le temps de rentrer, me changer. Je suis sorti, j'ai dit, allons-y. On est allé parce qu'il y avait dans une autre famille. On est allé prêcher là-bas jusqu'à 23h. Et puis je suis revenu me coucher. Et c'est ce que je fais tous les jours. That's what I do every day. Amen. Je dis, Seigneur, donne-moi une voiture, pour que, une bonne voiture, pour que je puisse aller visiter. Alors maintenant, si j'ai une voiture, que je passe mon temps à la maison, mais où je vais le toucher? Qu'est-ce que je vais retrancher? Qu'est-ce qu'il va regarder? Pour qu'il dise, mais c'est pas possible. Depuis 9h, ce gars travaille. Il vient de descendre à 19h. Il continue encore pour aller parler chez les gens. Oh, il a arraché quelque chose est sorti de moi. He's gonna grab something. Something has come out of me. Dans ta relation, enlève quelque chose de Jésus. Something from Jesus. Ta relation avec le Seigneur, tu dois enlever une force de Dieu. Tu dois parler. Dès l'instant que tu fais chez quelqu'un, tu parles de Jésus. Tu es en train d'arracher quelque chose à Dieu. Le dimanche, quand tu es en train d'abandonner des choses, quand tu mets de côté, tu dis Seigneur d'abord. Tu es en train d'arracher. Ce matin, quand Marie m'a dit, Pasteur. This morning, this je suis en train de travailler en ce moment. I'm working right now. Mais il doesn't matter. Oh. Ça n'existe, je m'en fous de l'habit que je vais porter. I don't care what I'm gonna je vais wearing. Arrêter. I'm gonna je vais venir à l'église. Here to church. Et je vais repartir. And I'm gonna go back. That's what Brother Marie said. J'étais touché. I was touched. J'ai dit, Seigneur, I said, Lord, ce que tu as commencé avec le frère, je prie. I pray que tu continues. That you continue. Amen. Et que le chemin qu'il va prendre pour venir, qu'il soit en train d'arracher quelque chose, Seigneur. May he be taking away something from you, Lord. Arrachant. Let's take away. Arracher une puissance. Take la Bible. Power. Jésus n'a pas dit, il a dit à Pierre, il dit quelque chose est sorti de moi. Une puissance. La femme là a pris une puissance de moi. C'est-à-dire, où elle est maintenant, elle est remplie. Where she is right now, she is full. Elle est remplie. She is full. Elle savait une chose dans sa tête. Thing in her head. Que Jésus était celui-là qui ressuscite. Is the one who resurrects. Elle savait que c'est Jésus qui détient les finances. Is the one that holds the finances. Elle savait que c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis celui qui suis. I am that I am. Elle savait. She knew. Que c'est lui qui a créé. That he is the one elle savait que c'est lui qui peut toucher le cœur des gens. He is the one that can touch the hearts of others. Il fallait seulement. Je n'ai même pas besoin qu'il ait le temps pour moi. I don't even need him to have my je n'ai même pas besoin qu'il me salue. He doesn't even need to greet je n'ai pas besoin qu'il m'embrasse. I don't even need him to hug me. Moi, je veux toucher. I just want to touch le bout des arbres. Just à cause de la foi que j'ai, le fait de savoir que quand je le touche, quelque chose va se passer dans ma vie. Something is going to change or happen in my life. Hallelujah. Mais regardez. But look. Jésus qui n'avait pas le temps. Jesus, who didn't have the time for her. À cause du fait qu'elle s'est approchée avec la foi. Because she came with faith. Il allait, la Bible dit qu'il partait chez Jairus. He was going to Jairus. Il était en train d'aller pour sauver quelqu'un. He was going quand to il allait à Némerci. Mais il a tout stoppé. He stopped everything to say, oh, I have the time for you. You touched me. She said, he said, who touched me? She says, it's me. It's me. I finished all my money at the hospital. No one was able to do something for me. But I said that I needed to touch you. And when I touched you, I touched your robe. The bleeding je stops. Sens moi. I feel in me. Je n'ai même pas besoin de regarder. I don't even need to look. Je sens I know que le sang est arrêté. That the bleeding has stopped. Amen. Jésus dit. Jesus says. Ma fille. My daughter. Il a changé. Il dit ma fille. He changed. Amen. He says my daughter. Yes. Il dit ma fille. He says my daughter. Aie bon courage. Have good courage. Ta foi, but your faith t'a guéri. Has
healed you. Amen. Ce à quoi tu as cru est rempli dans toi comme ça. Amen. What you believe there is c'est ce que nous devons. And that's what we must. C'est ce que nous devons faire. And that's what we must do. Elle était faible. She was weak. Même s'il fallait qu'elle rampe. Even if she had to drag herself. Pour arriver. Crawl to get there. À toucher sa robe. To touch his robe. C'était l'essentiel pour elle. That was the main basis for her. Ne mettons pas. Let's not put. À demain. Let's not put to tomorrow. Les affaires de Dieu. Things of God. Souvent quand je suis assis, often when I'm sitting, je sais. I know. Et je suis content. And I'm happy. Parce que mercredi, souvent, je suis en train de donner des études. Because Wednesday, I'm giving Bible study. Oh, c'est la sœur de Philadelphie. Oh, it's the sister from Philly. C'est la famille de Floride, de Tallahassee. It's the family from Tallahassee. C'est maman tant de Germantown. C'est tant de Tallahassee. From Germantown or from wherever. Il y a l'autre frère, je ne sais pas, il est dans quel état. I don't know which state he's in. Texas. Arizona. He's in Arizona. J'ai dit, tu es seul. I said, you're the only one. Tu es Arizona, mais le mardi, moi j'ai ton temps. You're the only one. And quand je dépose ma femme, je dépose. Tuesdays, ce que je dois faire, je bouge ma femme à la maison. Je prends un passage. Je lui donne cette 1 heure de programme. Quand je finis, je m'en vais. Le mercredi, c'est la même chose. Le vendredi de prière. Et je cherche dans ma tête, dans la semaine, qui je vais croiser encore pour que dimanche vienne. Qui je vais voir. Et quand je suis assis, quelque chose passe dans ma tête. Il dit, tu ne vas pas souffrir dans ce pays, mon fils. It goes in through my head. It says, you're not going to suffer. Tu vas pas souffrir. Amen. You're not going to suffer. Et je sens, et je crois, s'il est Dieu qu'il existe, je sais qu'il va faire des miracles pour moi chaque jour, parce que je tiens le bon bout. Because I'm holding the right part. Yes. Ayons le temps. Have the time. Arrachons quelque chose. Let's take away. Parlons de Jésus. Let's speak of Jesus. À quelqu'un. Amenons quelqu'un. Let's bring someone. C'est ce qu'il a demandé. Et c'est un secret. Je dis ça toujours. Dès que tu convaincs quelqu'un, tu ne sais pas ce que tu es en train de gagner. Once you convince someone, you don't know what you're really winning. Et ce matin, this morning, j'encourage. I encourage, le conseil I encourage the council of this church d'appeler les frères, to call brothers. Appeler, call, parler, speak, encourager les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. On a des frères. We are brothers. Il y a Raymond, voici Roseline, voici Gage, voici Maris, voici Stéphane, Essence, William. Essence, William. Appelez-les, parlez-les, saluez-les, parlez de Dieu 10 minutes. Meet them, speak of God, just pray with them on the phone. En encourageant un frère, dans la semaine à venir, dimanche, voici vespre, personne ne sait. No. Connais ces nouvelles, si tu ne l'appelles pas, tu ne peux pas savoir. The news from him. If you don't call him, how are you? Multiplions ce que nous avons commencé. Sur cette église, c'est à cause du conseil. Mais nous devons multiplier. Nous devons arracher. We must take away. Si nous sommes occupés par rapport à ce que nous faisons, based on what we're doing, nous n'allons pas tirer quelque chose. We're not going to take away anything. Et ce matin, c'est hier. This, soir, je priais. Yesterday evening, this is what God was telling me while I was praying. Et dit, même ce que tu as commencé, puis tu pries encore aussi. You started, multiply that as well. Multiply. Multiply. Et je suis dans la joie. Parce qu'au moins, depuis que l'église a commencé, que nous sommes là, la paix, la joie, l'amour, tu sens ça au milieu de tout le monde. Love, you les gens viennent à l'église vraiment pour écouter la parole, mais multiplie ta façon de faire. Aujourd'hui, les études publiques sont téléphoniques. Avant, pour écouter une étude publique, il fallait se déplacer. Maintenant, même à partir de ton domicile, tu rentres en ligne seulement pour écouter l'étude publique. Just get on the phone to listen to the Bible study. Alléluia. Hallelujah. Nous devons
We must avoir le temps. Have time. Les mamans doivent avoir le temps. The mothers must have the time. Les hommes doivent avoir le temps. The men must have the les time. Les anciens doivent avoir the le elders. Temps. Nous devons tirer quelque chose de Dieu. Take away something from God. C'est, les gens étaient là, il y avait beaucoup de personnes. There, there are many people. Mais la foi que la femme a eue a enlevé une puissance but de Dieu. But the faith that the woman had took away some power from Jesus. Parce qu'elle savait une chose. Because she knew one thing. C'est lui la vie. He is life. C'est lui la résurrection. He is the resurrection. C'est lui l'argent. He is the money. C'est lui les papiers. He is the papers. Il est le Dieu des miracles. He is the God of miracles. Il est le Dieu qui change les possibilités à ce qui est possible. He is the God that changes what's impossible to what's possible. Il est le Dieu qui donne les enfants. He is the il est God le Dieu gives qui, donne, qui donne le mariage. And who gives marriage. Il est le Dieu qui donne le travail. And who gives il est le Dieu qui donne la paix. He's the God il est le Dieu qui donne la joie. And joy. Il nous connaît. He knows us. Il est la solution de he nos problèmes. Mais si nous ne fonçons pas vers but lui, we si nous n'allons pas vers lui, la femme a allé vers lui. Elle a eu la solution. C'est parce que la femme a bougé vers lui. Elle a eu le premier miracle de sa vie. The first miracle of her life. Le premier miracle qui s'est passé dans la vie de la femme de façon life. Instantanée, c'est parce qu'elle a touché sa robe. It's because she touched his robe. Ce matin, le this frère morning, a fait the brother did un témoignage ici. A testimony here. Il dit dimanche. He says Sunday. Et lundi. And then Monday. Ça se passe automatiquement. It happened automatically. Ça là, c'est Dieu. That is God. Et je lui ai dit and I told him que c'est Dieu. That it is God. Parce que je priais dimanche. I was praying on Sunday. J'ai dit Seigneur, I said, Lord, que la semaine là ne finisse. The week not finish, que tu fasses un miracle dans la vie de ton fils. Pour qu'il voie que tu es Dieu. So that he can see that you are God. Dieu. God. Peut changer des choses can change many things dans ta vie in your life. De façon instantanée, tu vas pas comprendre. Instantly. In Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un qui va te donner quelque chose que tu veux depuis longtemps, mais c'est lui seul qui peut faire ça. Dieu peut changer ta situation. D'ici même 2015, les gens vont te voir. Comme je l'ai dit, ils vont t'appeler au pluriel. 2015, people are going to see you and call you in plural. La femme. The woman. Elle savait qu'il était la solution. She knew that he was the solution. Elle savait. She knew. Qu'il était la solution. That he was the solution. Elle a reçu son premier miracle. She received her first miracle. Parce qu'elle a cru. Because she believed. Elle a touché. And she touched. Et ce matin. And this morning. Dieu. God. Veut nous amener. Wants to take us. À dire. To say, bring us to say. Que si on le connaissait, si on doit noter. That if we have to know. Et notre relation avec lui était de 1 à 5. And that we have to grade that our level of our relationship was from 1 to 5. De multiplier ça à 25. We should multiply it to 25. Le temps que tu donnes. The time that you give. Ce que tu fais pour lui. What you do for him. C'est ce qu'il va multiplier pour toi. That's what he's going to do for you. Multiply for you. Si tu n'as pas le temps. If you don't have the time. Qu'est-ce que tu espères? What do you hope for? Donc ce matin. So this morning. On va se lever. We're going to stand up. Et on va prier. And we're going to pray. Pour dire Seigneur. To say Lord. Multiplie ma foi. Multiply my faith. Afin que je puisse être en contact permanent avec toi. So be in constant contact, permanent contact with you. Parce que si la femme simplement t'a touché une, elle a touché la robe. Touched your robe. Que tu as fait ça. And you did this. Ça veut dire que si je suis en contact avec toi de façon permanente. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? What will you do for me? Dans l'église, il y a plusieurs. In the church, there are many. Il y a plusieurs choses à faire. Things to do. Soyons un groupe fort. Let's be a strong soyons group. Une église puissante. Let's be a mighty church. Et Dieu va agir. And God will act. Prions. Let's pray. Seigneur, ce matin. Lord, this morning. Je te dis merci. I say thank you to you. Pour ce passage que tu as donné, papa. That you have given, Father. Je proclame et je prophétise encore. Prophesy again. À ton nom, Jésus. In your name,
que tout ce qui était hémorragie dans la vie de tes enfants s'arrête ce matin au nom de Jésus. Tout ce qui est paresse qui anime tes enfants pour ne pas être connecté à toi, papa, je détruis cela ce matin au nom de Jésus. Oh Dieu, mets ton zèle à chacun de nous. Ouvre la bouche de tes enfants, Seigneur, afin que partout où ils se trouvent, oh, qu'ils aient le courage, papa, d'avoir des âmes pour ta maison. Mais chaque jour, fais tomber, papa, make fall, Father, les montagnes au devant, the mountains in front, les montagnes au devant de leurs projets, the mountains in front of their les montagnes au devant de leurs finances, in front of their finances. Donne-leur la joie, give them joy, multiplie la joie dans leur maison, the joy in their house, multiplie la joie dans leurs affaires, in their Seigneur, business. Que ce lundi même, this que commence encore d'autres miracles dans la vie de tes enfants, miracles in the life of your children. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Lord, I bless your holy name. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci pour le mariage de tes enfants. Thank you for the marriages. Merci pour les enfants que tu donnes Thank à tes you fils. For the children that you give to your children. Merci pour le travail que tu donnes à tes enfants. Thank you for the work. Merci that pour you les maisons que tu leur donnes. Thank you for the houses. Les moyens de déplacement. Ways of transport. Oh, les finances. And the finances. Ceux qui les avaient oubliés, papa. Those who have tous done. Ceux qui peuvent leur donner des marchés. Tu peux leur donner des activités. All those who can give tu peux leur donner du travail. Qu'ils se souviennent de chaque jour. Et que ce que tu mets dans leurs mains se multiplie, papa. Et qu'ils aillent de victoire en victoire, de gloire en gloire. Qu'ils aient ton temps, papa. Qu'ils aient ton temps, Seigneur. Que dans la semaine, qu'ils aient le temps, papa, de te louer. Qu'ils aient le temps de te prier. Qu'ils aient le temps de te célébrer. Merci, papa. Thank you, Father. On acclame le Seigneur.